Mirayaza. Allez les concurrents qui s'élancent pour cette nouvelle confrontation, 1200 mètres à parcourir, c'est une nouvelle fois un fils Fernand Victor qui a pris l'avantage avec Diabotin de Brie avec en deuxième position la candidature du numéro 5 Clubin Fer qui vient donc tout près des animateurs, alors qu'en troisième position reconnaît la casaque d'Aurélie Baïf, le numéro 3 Comment Russell Dazzle qui vient maintenant un peu plus loin alors qu'il y a en léger retrait la casaque jaune top rouge du numéro 4 Lyon Ghetto Genida. Il se dirige comme ça vers le boulain d'en face, avec devant la famille Fernand qui est en tête et qui est poursuivi par Jean-Pierre Desvallons, le numéro 6 qui vient donc à la hauteur des animateurs, pendant qu'à l'extérieur il y a notamment le numéro 4, Lyon Ghetto Genina, alors que Comment Russell Dazzle vient en léger retrait. Ils abordent bientôt l'entrée de la dernière ligne droite, jusqu'où va pouvoir aller la casaque de la famille Fernand qui se détache encore avec le numéro 2, Diabotin de Brie, qui essaye de faire la différence à l'extérieur. Ça va finir vite, notamment avec la candidature notamment du numéro 7 Joara qui est encore en léger retrait, avec également le côté corps de le numéro 6 Joker des Ballons qui tente maintenant de refaire du terrain en compagnie encore du numéro 5 Clubin Fertragon qui maintenant s'annonce côté corps le milieu de la dernière ligne droite avec la casaque bleue à la corde le numéro 2 Diabotin de Brie qui maintenant essaie de repartir face à notamment le numéro 5 Clubin Fertragon qui essaie de refaire du terrain à l'extérieur. Le numéro 6 Joker Desvallons est en troisième position avec devant la victoire du numéro 8 qui va s'imposer, la deuxième place pour le numéro 2 Diabotin de Brie, la troisième pour le numéro 6 Joker Desvallons.